Je le sac à main de mon épouse. Et elle garde ici les choses qu'elle apprécie beaucoup, c'est normal. Et elle garde plein de choses. Bon, je ne vous montre pas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est normal. Vous pensez que je ne pourrais jamais sortir quelque chose d'ici qu'elle n'a jamais gardé en avance? C'est impossible, n'est-ce pas? On utilise les sacs à main, la portefeuille, pour garder les choses qu'on considère de valeur précieuse. Donc c'est comme une espèce de tresseur, on va dire. L'endroit où on garde les choses importantes. Ça, c'est ce que je voulais dire quand il a dit dans Matthieu 12, 35. Le bon homme fait sortir du trésor des bonnes choses et les mauvais hommes font sortir des mauvaises choses du trésor. Qu'est-ce que tu gardes dans ton trésor? Parce qu'il faut garder en avance les choses. Ce que tu considères précieux, important, tu vas le garder dans ton cœur. Et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu gardes. Parce que ton trésor deviendra bon ou mauvais. Ça dépend de toi.